À tous, à lundi. Je flânais le long d'une plage quand je vis devant moi le vent porté par la marée, un beau coffret de bois. J'ai pris le coffret, l'ai ouvert, me croira qu'il le veut. Dedans il y avait un, juste devant mes yeux. Oui, dedans il y avait un, juste devant mes yeux. Heureux de cette découverte, je courus comme un fou chez un antiquaire, un voisin qui achetait de tout. À peine entré, il m'a crié, avant qu'on parle d'argent, sortez-moi d'ici ce, ou j'appelle un agent. Oh, sortez-moi d'ici ce, ou j'appelle un agent. Ne tenant pas pour ce coffret à faire de la prison, j'ai pensé l'offrir à ma femme qui était à la maison. Mais elle a hurlé comme une folle en voyant le contenu. Sors d'ici avec le, ne reviens jamais plus. Oui, sors d'ici avec le, et ne reviens jamais plus. Forcé de me débarrasser du coffret encombrant, je cherchais dans toute la ville et trouvais un mendiant. Me disant enfin celui-là, je vais lui faire plaisir. Mais quand il a vu le, il s'est mis à courir. Oui, mais quand il a vu le, il s'est mis à courir. Esclave du coffret de longues années, j'ai souffert. Puis un jour je suis arrivé avec devant Saint-Pierre. En me voyant sa voix fit trembler le ciel de colère. Tu oses apporter ce, remporte-le sur la terre. Oh, tu oses apporter ce, remporte-le sur la terre. Et la morale de cette histoire est que si vous voyez le vent porté par la marée, un très joli coffret, c'est peut-être un trésor, prenez-le, ouvrez-le, oui, mais si jamais vous y trouviez-le, laissez-le où il est. Oui, si jamais vous y trouviez-le, laissez-le où il est.